La 27e édition du prestigieux concours de beauté Miss Côte d'Ivoire a eu lieu ce samedi 1er juillet au Sofitel Ivoire de Cocody. Et au terme de cette soirée, c'est Mademoiselle Mylène Gioni qui a été élue Miss, succédant ainsi à Marlène Kouassi. Âgée de 25 ans pour 1m75, Mylène est titulaire d'un bachelor 3 en communication. C'est une jeune femme de nature calme et réservée. Grande amatrice de mode, elle adore le chic et le shopping. Son plat préféré est le kabato à la sauce gombo. Durant son mandat, Miss Côte d'Ivoire 2023 tient à apporter son appui et son soutien aux personnes atteintes de la dépression. J'ai eu des années d'hésitation, non seulement parce qu'il fallait obtenir mon bachelor, mais surtout parce que mes sœurs et moi étions pressenties à l'échec, en raison du décès de maman, du fait de la dépression. A-t-elle déclaré. Elle voulait donc remporter cette couronne nationale pour relever le défi et rendre hommage à sa génitrice qui l'a toujours soutenue à travers son projet qui est de mettre en avant les personnes atteintes de la dépression. Ce concours représente pour elle un canal de valorisation de la femme sur le plan esthétique, physique et intellectuel. Elle veut également combattre les inégalités sociales car pour elle, ce n'est pas concevable qu'en 2023, les femmes soient toujours moins rémunérées que les hommes à diplôme égal. Elle compte mener aussi des actions afin que tous les enfants aient accès à la santé, la nourriture, à l'école. Un merci ne suffira jamais. Je vous aime. Merci à Dieu, à ma famille, aux commissies, et à ma team qui a été incroyable dans tout. Une nouvelle histoire commence avec vous. Maman, ils ne pourront jamais nous séparer. J'espère que tu es fière de moi de là-haut. Je t'aime. A-t-elle déclaré après sa brillante victoire.